13 stations, l'opérateur Florent secteur Saint-Émilion qui vous salue. Il y a quelqu'un ce soir? Je te fais retrouver, Eric, si tu fais comme si il y a un petit report, si t'as eu le temps de regarder la jauge du signal, voilà, toi.
ravi du physique, je n'ai pas trop le temps de regarder, je vais te dire ça au prochain passage. Ok, mais pour moi de mon côté, c'est les 59, sur le radio de 5 et bon, c'est le 9, voilà. Allez, vas-y Ludo, à toi. Vraiment, c'est impeccable, écoute, hein, voilà. Non, mais c'est cool si t'arrives à avoir une station qui fonctionne, là, arriver à améliorer tout ça petit à petit, là, vraiment, Florian, c'est... de semaine en semaine, ça s'améliore, écoute, c'est parfait, hein, voilà, sans félicitations, c'est super chouette. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait un petit tour, moi, le week-end dernier, j'étais pas là, mais j'étais en balade, ouais, je suis allé du côté de Poitiers, je fais la connaissance d'un OM très sympa, qui est sur le forum des ODR d'ailleurs, voilà Fabrice, 14 Fox Unité 01. Fox Unité. Qui est très sympa, voilà, on a discuté un petit moment et tout, et puis il fait quelques actions de son côté là, pour dynamiser tout ça. Il diffuse pas mal de choses sur internet, il fait quelques activations de temps en temps, donc voilà, il y aura peut-être une petite chance qu'on le croise cet été là en Charente-Maritime. Voilà. Je sais plus si c'est pour l'hiver ou autre chose, je sais plus, je suis perdu. Ça va, voilà. Allez, je te fais retour Florian, si tu veux nous raconter un petit peu ta vie. Allez, à toi. Voilà, donc si tu as besoin, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Ah ouais, super,
réflexion tout ça, mais je te remercie de renouveler cette proposition et je pense que l'antenne sera bien utile, il n'y a pas de soucis. donc voilà. J'ai l'impression qu'il y avait du monde, le week-end dernier, là, vu qu'on avait passé les 20 utilisateurs, hein, ça a fait du top. J'ai augmenté le quota à 40, là, je pense pas qu'on l'ait atteint, mais bon. C'est bien, ça a du succès, les gens sont contents, donc c'est cool, ça permet d'entendre des trucs. Donc voilà. Après, toujours sur les histoires de SDR, là, j'ai de mon côté, je me suis fait offrir un petit boîtier supplémentaire qui s'appelle SDR Snail. Alors c'est un petit boîtier, un récepteur un peu comme une TNT, mais en beaucoup plus sophistiqué, puisque c'est fait pour faire des SDR, qui dispose donc d'une couverture assez large, de quasiment 1 kHz jusqu'à 2 GHz, sans trou, donc en continu. On est capable de surveiller 10 MHz de spectre à la fois, d'un seul coup d'œil. Là où la PSDR est limitée à 2 MHz. Donc c'est assez sympa, ça marche super bien. C'est vraiment le bonheur, puis c'est vraiment un outil qui est meilleur, enfin de bien meilleure qualité que ce qu'on peut faire avec le petit TNT. Bon, ça, je ne m'en servirai pas pour le web SDR, parce que avec le TNT, il suffit très bien pour faire ça. Bon, je regarde donc un petit expérience perso, voilà. Ok. Je te retourne le micro, Eric, et puis t'auras qu'à faire la petite annonce quand c'est du monde derrière la porte. Ok, voilà. Oui, je connais ce boîtier, oui, pas de problème. Normalement, tu as deux sorties, l'antenne, VHF et VHF, voilà. On va la parler. C'est quelque chose qui a pas l'air pas mal. Voyez, la couverture, oui, j'allais dire moi de 0 à 2000, je crois, ou un peu comme ça. Mais c'est vraiment... on a entendu parler. J'avais déjà entendu parler. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, voilà. Là, en fait, c'est une idée, c'est pour ton câble. Vu que tu vas tirer un câble, c'est un câble Ethernet, c'est que tu vas tirer. Moi, je te dis, j'ai la pince et l'appareil va tester aussi. Pour la ligne, pour voir si tu as bien fait les branchements, tout ça. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, tout est là à disposition. Si il faut, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, si tu as besoin d'autre chose, c'est ça, le 600, il n'y a pas de problème si on peut se rendre service, mais au contraire, avec plaisir, voilà. Bon, mais justement, tu vas passer le micro, donc est-ce que les stations derrière qui veulent participer au téléphone national, c'est le moment, on est dans les stations. Il est 10h. Ouais, 73 du Kik de Lys. Bonne 73-51 à tous, de la part de Nadi 33. Oh yeah, oui, 73-51 à toi, il me dit donc, je retourne de vacances, un dimanche matin, oulala, c'est belle tout ça, mais c'est super, écoute, je repasse le micro à Florian, à toi. Ok, Michael.
Enregistrer le Bréco, les 73 Florian. Ok, je t'ai à peine entendu, mais je t'ai entendu quand même. Hachi, j'étais effectivement hier soir en stand-by. Et c'est vrai que c'était un petit peu animé de mon côté. Comme par hasard, ils sont tous de mon côté, Hachi trois coups. Je reprends que je dis. Hein. Tiens, tu as 14ODR016 qui a une petite plainte à te formuler, Ludovic. Il est pas content, il peut pas entendre de QSO, H3 coups. Ah bah oui, mais ça va s'arranger. On continue de plancher sur le problème. Comme je disais hier soir, là, je pense que j'ai trouvé ce que je vais faire là, pour faire passer mon câble de réseau. C'est en cours d'étude, mais j'ai une piste sérieuse là, pour l'instant. Et puis après, une fois que ce sera ça, Eric m'a gentiment reproposé son antenne. Donc je pense qu'une fois que le câble réseau sera passé, ça va aller très vite. Voilà. Mais c'est pas pour tout de suite. J'ai pas trop de temps en ce moment. Donc voilà. Mais c'est week-end, il fait un temps comme ça, machin. On est plus à faire des barbecues qu'à monter des câbles réseau. Donc voilà. Mais bon, ça va se faire. Il pourra bientôt entendre le QSO national. Non, mais il n'y a pas de raison. Voilà. Allez, je passe le micro à Florian. Le truc que j'essaye de faire, c'est d'avoir le moins de trous possible.
nombre de goulottes TVC pour l'instant. J'ai passé par-dessus la chambre de mon fils normalement dans les cours, mais il faut que j'installe une trappe de vis avant pour pouvoir y accéder. C'est en réflexion tout ça, mais ça pourra le faire au bout d'un moment, je pense. Donc je suis encore en train de réfléchir sur la faisabilité parce qu'il faut que je repère là où sont les rails à placo, voir si je peux mettre. J'ai commencé à regarder, normalement j'ai 30 cm, donc c'est pas très très grand pour pouvoir mettre une trappe. Il faut que je regarde tout ça, c'est en cours. Voilà. Sinon, bon, il faut avoir une autre solution, on mettra une filière à la cale, bon, ça marchera bien comme ça, à pied. Oui, éventuellement, ouais, c'est ok. Mais pas trop quand même, hein. C'est comment ça se passe de l'autre côté? Bon, en tout cas, si tu as besoin de compétences dans ce domaine, comme je t'ai dit à qui, hein, n'hésite pas. Ça, c'est bon, dada. Voilà, ça va être très très bien là-dessus. Et que toi, tu as assez vicieux, assez machin, je même, comment on appelle ça, bien qu'à donc, voilà, je pense que. Alors là, tu peux sortir déjà les bières parce que ça déborde. Ah bon, voilà, mais j'ai pas encore regardé, j'ai vu que tu avais posté une vidéo, là, j'ai pas encore pris le temps de regarder, alors c'est pour ça que tu peux peut-être nous faire un petit résumé rapide, là, comme ça. Juste une chose, Rémi, je trouve que t'es assez doué quand même pour chauffer dans les tubes, hein. Assez doué pour, excuse-moi, là, soit tu parlais trop près du micro ou c'est autre chose. Et j'ai compris, tu es assez doué, après j'ai pas compris. Il y a un dossier, oui, j'ai vu le petit vidéo où tu fais la démonstration pour chauffer dans un tube pour communiquer. Ah la vache. Ouais, sauf que, ouais, je vois ce que tu vas dire, je donnerai pas le nom du tube, Hachi. Sauf que c'est un tube qui est de très mauvaise qualité, qui résonne pas du tout. La prochaine fois, ils choisiront mieux. Car j'en ai, après, une fois de retour à la boutique, j'en ai attrapé un autre, j'aurais montré, et là, ils ont vu la différence. Ben, après, sous abri, t'as vu, ça donnait déjà mieux, là. Hachi, Ludovic, donc tu as 4 vidéos visibles comme ça sur YouTube, plus une que j'ai rajoutée en simple lien dans le commentaire de la 4e vidéo. Eh bien écoute, j'irai voir tout ça, mais j'ai hâte de voir cette histoire de tube là, je t'imagine bien avec un gros tube dans la bouche, dis donc, hein. On va aller voir ça tout à l'heure. Ah ben quand même. Alors attends que je te donne quelques détails. Je vais pas trop m'étaler là-dessus quand même parce que là c'est sûr que là on va je vais tenir le micro pendant 2 heures et ça va pas le faire. Alors donc déjà pour commencer, départ de QRA, direction le pas de la case. Bon, on a passé une nuit après là aussitôt après à Andorre. Pour continuer sur Barcelone. Remonter sur Argelès, le col du Pertus, la Jonquera, le paysage est magnifique par là, Hachi trois coups. Pour les intéressés dans le secteur de la Jonquera, dans ces environs-là, tu as des madames très serviables là, qui travaillent sur le bord de la route. Après la Jonquera, ben, on est remonté sur Carcassonne.
Carcassonne, c'est là où tu as vu la vidéo, Eric, du parc australien. Voilà. Et une fois la visite du parc fini, ben on est remonté tranquillement au QRA via en passant par Toulouse. Et là, ouais, j'ai eu l'occasion de faire quelques QSO, là, bien sympa. Alors, côté Espagne, on a surtout fait le quart nord-est de l'Espagne. Alors, au niveau de la Sibie, eh bien, j'ai été surpris parce que c'est plutôt le désert hein, de leur côté. Hein. Et autrement dit, si tu veux vraiment faire des QSO, il faut revenir du côté français, quoi. Et il y en a qui doivent être surpris là d'entendre ça, et pourtant c'est vraiment vrai. Hein. Ah ouais, c'est dingue parce que quand ah, t'as une porteuse? Ça va, tu t'amuses la porteuse? Ouais, la porteuse est juste un petit peu plus haut. Hein. Voilà, comme quoi, toi, là, t'as toujours des gens qui partent du principe que la Sibie, toute la plage de fréquence n'appartient qu'à eux. Voilà. Et que tous les autres n'ont absolument rien à faire dessus. Bon, ben c'est du plus 30, plus 40 de mon côté. Voilà, c'est sympa. Le QSO est terminé pour moi. Allez, on va repasser le micro du côté de Florian, à toi. Ils sont sur le 27-277. Ouais, Ludovic, non, si c'est à moi que tu parles, ouais, je te disais qu'ils ont fait exprès, là, tous les deux, là, de se mettre sur le 27-277, histoire de bien faire chier le monde. Bon, je te l'écris sur le chat. Yeah.